Yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les 500 abonnés, nourrissage de mon Pichoufis, donc en vidéo. Je voulais vous remercier pour tous les abonnés qui ont été, enfin pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui likent les vidéos, qui commentent, qui les regardent, parce que j'ai pas tous les abonnés qui regardent. Et donc je voulais vous remercier pour ça. Et justement, je vous lance. Je lance une FAQ. Putain, il y a un voisin là-con, il est en train de faire. Je sais pas m'exprimer, putain. Enfin, en gros, il joue avec sa perceuse, il fait chier. Et donc, ouais, je lance une FAQ et je vous laisse commenter cette vidéo avec toutes les questions que vous voulez. Pas de défis. Enfin, si, quelques-uns, mais pas trop de conneries. Parce que. Enfin, je sais pas, voilà. Quelques défis, ouais, si vous voulez. Puis donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Hop, on va aller chercher le pitch office. Donc on voit là, il a senti les souris. Hop, je vais aller chercher au crochet, sans faire tomber le crochet. Je vais peut-être enlever sa cachette avant, ce sera mieux. Falloir que je lui remette de l'eau. Hop là. Même pas besoin du crochet. Hop. Peut-être le faire lâcher. Je vous pose 30 secondes, il tient le crochet. Hop. Donc l'autre jour, il a fait un bruit de sonnette. Enfin, ouais, de. Il a fait sonner. Sa queue, on aurait dit un serpent à sonnette, c'était assez sympa. Hop là. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça fait vraiment un bruit de serpent à sonnette, c'est trop marrant. Donc là, je vais fermer, puis je vais le laisser manger, puis on se retrouve pour l'attaque de la deuxième souris. Donc voilà, la première souris, elle est passée nickel, on peut voir encore que ça, qu'il y a du mouvement ici. Donc là, on va lui donner la deuxième souris. On va voir s'il refait. Bon, il gobe tout en fait. Il n'y a pas vraiment d'attaque. Donc voilà. Normalement, à Noël, je vais essayer de. Soit je me fais un terrain ou alors j'en fais un en récup. Sympa, il fait le bruit encore. Ou alors je récupère un meuble et je le modifie. Ou alors je vais me faire, si j'ai le moyen, un autre 120-60-60, séparé en deux, sûrement, pour merde, comment. Enfin, mon gut qui est là-bas, et peut-être d'autres femelles. Puis lui, bah, il ira ici. Donc là, il y a des cachets, je crois que je les avais déjà montrés, que j'ai retrouvé enfin, que j'ai trouvé dehors. C'est un arbre qui perdait ses écorces, enfin plusieurs même. Et du coup, bah, j'ai ramassé ça par terre et je les ai nettoyés et fait sécher. Et là, c'est bien solide, ça risque plus de se casser. Vous voyez, il mange rapidement. Hein. Et donc, voilà. Il est magnifique comme. Serpent. Il a de superbes couleurs. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un commentaire, un petit like. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est pour comment dire, pour le soutien. Et donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!